cœur. Vous vous connaissez? Bébé, bébé, s'il te plaît. Bébé, je t'en prie, ne t'en va pas, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. Quoi? Bébé, je t'en prie. Chelsea, où étais-tu la nuit dernière? Je t'ai dépourtanti, je t'ai à une veillée des prières, je travaille à l'église. Tu te prostitues dans la à nuit? À ça jamais! À ça jamais, Jimmy, tu me connais! Jimmy, comment peux-tu dire une telle chose? Tu me connais, non? Tu sais que je travaille à l'église. Je te connais. Oui, oui, je te connais maintenant. Jimmy. Il n'y a pas de souci. Je vais partir. Si tu essayes de me suivre, Jimmy, tu feras. S'il te plaît, je t'en prie, je t'en prie. Jimmy! Jimmy! Jimmy, arrête, Jimmy! Jimmy, s'il te plaît! Surtout, ne dis rien. Hein? Hé, toi, là, calme-toi. Parle à toi. Qu'est-ce que tu fais avec mon homme? Ton homme? Oui, mon homme. À prime abord, je ne savais pas qu'il était ton homme. Oh! Je le connais. Je l'ai apprécié, je suis sortie avec lui. Arrête! Et toi, écoute-moi très bien. La seule calme-toi, c'est pas la façon dont tu te comportes. Je n'apprécie pas vraiment. Arrête, comporte-toi comme une grande personne. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Elle part de cette maison. Tu t'en vas de cette maison maintenant. Elle n'ira nulle part. Elle s'en va de cette maison. Elle ne bouge pas d'ici. Écoute, si tu sais ce qui est bien pour toi, va-t'en d'ici là. Je t'avertis. Je ne veux pas de moi. C'est à moi que tu parles. Arrête. C'est à tes conneries. Arrête ça. Amanda. Tu vas arrêter ça. Amanda, je t'avertis. Tu m'avertis de quoi? Amanda, je t'avertis. Va dans ta chambre. Elle s'en va de cette maison aujourd'hui. Elle n'ira nulle part. Tu penses que je... Elle reste dans cette maison. Bonjour, monsieur. Ferme-moi ta gueule. Je t'ai demandé de venir à 10h. Quelle heure est-il? 10h passées. Oh, 10h, ça devient après 10h. Non, vous m'avez demandé de venir autour de 10h. Alors, si vous dites autour de 10h, alors c'est autour de 10h. Pourtant, si vous m'aviez demandé de venir à 10h, vous m'auriez dit 10h. Ça suffit que je suis un menteur. Je mens? Alors, c'est pas ce que je t'ai dit avant. Écoutez, je ne dis pas que vous mentez, même si je pense que c'est pas vrai. Si c'était 10h, il fallait dire 10h pile. Ferme ta gueule. Tu n'es pas seulement sourde. Tu es une idiote. Conne. Je ne sais même pas à quoi est-ce que je peux te comparer. Monsieur, pourquoi parlez-vous ainsi? Ne m'insultez pas, je n'aime pas ce genre de choses. Ah, c'est tout le matin, vous vous mettez à m'insulter. Ok, je ferai plus que ça. Conduis-moi loin d'ici. Je suis déjà en retard. En fait, je ne suis plus votre chauffeur, cherchez quelqu'un d'autre. Je ne vais nulle part avec vous, monsieur, je ne m'amuse pas. Je ne vais nulle part. Débloque cette portière, s'il te plaît. Laisse-moi partir d'ici. Commandez un autre taxi. Je ne vais nulle part avec vous. Après m'avoir insulté de cette façon. Madame, débloque cette portière. Je suis déjà en retard. Je dois partir d'ici. S'il te plaît. Ah, je ne savais pas que vous pouviez être poli. S'il te plaît. Après ce dépôt, ne m'appelez plus jamais. Je n'oserai plus jamais de ma vie.
Je ne ferai plus jamais appel à vous. S'il vous plaît, faites-moi partir d'ici, madame. Ouvrez, s'il vous plaît. Rassure-toi d'être rentré dans 30 minutes et tu me ramènes au commissariat. D'accord, monsieur. Monsieur, votre facture va faire 1750. Une fois que tu m'auras déposé au commissariat, je te payerai. Rassure-toi d'être là dans 30 minutes, d'accord? D'accord. Dites-moi, avez-vous la sauce pistache? C'est déjà prêt? Oui, disons donc, 30 minutes. C'est pas encore prêt. 30 minutes? Oui. Ok, j'attendrai et... Hey! Gare! C'est ma plaque d'immatriculation, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu n'es pas sur la bonne voiture. Ou alors vous voulez seulement enlever ma plaque. Oriyai! Oriyadi! Qu'est-ce qui t'arrive? Qui a enlevé ta plaque? Oh! Ori ou Turi, que ça vous tue sur place. Rendez-moi ma plaque, s'il vous plaît. Que Dieu te punisse. Que Dieu te punisse, ton père, tu es malade. Regarde cette go. Ah ah. Regarde-moi ce garçon. Elle débarque juste comme ça. Elle va bien. Rendez-moi ma plaque, s'il vous plaît. Tu vas prendre ta leçon. Arayai obari. Ani obari. Si tu pars pas d'ici, tu vas même perdre tes roues. Ah, les gars, ce qui est dans ma tête est énorme, je crois que nous allons le partager. Bougez ça si vous êtes courageux. Toi là. Allez-y pour voir. Si je commence à te bafler, c'est tu comprends? Papa. C'est à ton papa que tu donneras cette gifle. Si je te bafle, tu gueules. Donne à ton papa cette gifle. Ok. Non, mais qu'est-ce qui t'anime? Donne ma plaque, Jean. Tu vas Vous avez vu qui est influencé? Calme-toi pour que je me fâche pas contre toi. Calme-toi pour que je me fâche pas contre toi. Si je me fâche maintenant, ils vont enlever tes 2 euros, tu comprends? Allez. Écoute, les problèmes qui sont dans ma tête sont de trop et je cherche ce qui les déverser. Laissez voir. Tu as besoin d'aide? Écoute, tu veux payer ou alors je t'enlève tes 2 euros une fois? Payer pour quoi? Ok, c'est le terrain de ton papa ici. Je vais te percer tes 2 euros, tu comprendras ce qui arrive. Je ne comprends pas, ce terrain est à ton papa. Il y a un truc qui ne va pas dans ta tête. Tu vas comprendre. Attends, gaspille-moi ces 2 euros là, dis donc. Hein? Tu as besoin d'un tournevis? Qu'est-ce qui te faut pour l'enlever? Te calmer, tu ne veux pas te calmer. De quoi avez-vous besoin? Hé, dis quoi? Tu payes ou bien tu payes pas? Sinon je te gâte tes roues aussi. 2000, pourquoi? Toi, je vois que tu blagues avec moi, je tape les femmes. Hein. Moi, je tape les femmes. Je connais votre genre. Je vais te faire un truc. Je connais votre genre. Tu vas payer. Vous avez la joie dans le cœur. On t'a dit que c'est le chiton ici. Vous êtes malade. Tu payeras. Vous êtes malade. Prenez les 2000, on voit. Tu payeras. Si vous êtes fatigué, déposez mes plaques, je vais partir d'ici. Tu es vraiment idiote. Je t'ai demandé de partir et de revenir dans 30 minutes. Il t'a fallu presque une heure de temps pour que tu reviennes ici. Je suis désolé, monsieur. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est réellement passé. Mais venez, on s'en va. Dégage devant moi, dis donc. Cela veut dire que si vous ne voulez plus partir, la première facture pour l'auto que j'ai d'abord fait, payez-la moi. Ah ah. Tu
Tu m'as giflé. Oui, je vous ai giflé. Tu as giflé un commissaire. N'est-ce pas vous qui avez commencé? Pourquoi m'avez-vous giflé? Donnez mon argent. Tu sais quoi, madame? Je vais te montrer. Ah, monsieur, vous voulez m'intimider? Vous me donnerez mon argent aujourd'hui. Vous me donnerez mon argent. Ça veut dire quoi? Savez-vous? Savez-vous ce que j'ai enduré à cause de vous, hein? Donnez mon argent. Je ne veux pas de problème. Je veux mon argent. Ça veut dire quoi? Je vais remarquer ton numéro et je vais me rassurer que mes gars s'occupent de toi. Ah, laissez ça. Je veux mon argent. Tu es vraiment stupide. Mes gars vont certainement s'occuper de toi. Écoutez, je laisse tomber à cause de Dieu. Je laisse tomber, c'est à cause de Dieu. Parce qu'un jour normal, je n'aurais pas quitté cet endroit. En réalité, je ne porte jamais les policiers. Il n'y a que le gratuit que vous cherchez. Dans vos bureaux, rien n'est gratuit. Ce n'est que l'intimidation qui va vous tuer. Je me rassurerai que mes gars s'occupent de toi. N'importe quoi, parce que vous êtes inspecteur de police. Ils s'occuperont de toi, j'ai remarqué ta plaque. Je vais me rassurer qu'ils s'occupent bien de toi. Petite idiote. Femme stupide. Elle veut me rentrer les dents, vous imaginez ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Malchance! Tu veux tuer un commissaire? Ferme-la, dégage! Hôtel Ego? Oui. S'il vous plaît, monsieur, mettez votre ceinture de sécurité. Allons-y, j'ai pas besoin de ceinture. Hein? Je ne peux pas la porter. Je porte un vêtement blanc.
Monsieur, je vous en prie, ma voiture est propre. Ne craignez pas pour votre t-shirt. Je sais que ta voiture est propre, mais si ça se salit, tu le laveras pour moi. Allons-y, je suis en retard. Monsieur, je vous en prie. Je ne veux pas de problème avec la sécurité Peut-on routière. Peut-on partir, s'il te plaît? C'est qui la Monsieur, sécurité routière? Tu sais qui je suis? Monsieur, qui êtes-vous? Oublie ça, allons-y. Monsieur, je ne pense plus que je vais aller. Prenez un autre taxi. Femme, ne perds pas mon temps. Monsieur, je ne pars plus avec vous. Descendez. C'est quoi ton problème que je descende? Vas-tu entrer dans cette voiture pour m'amener où je vais? Monsieur, ces problèmes que vous voulez acheter, je ne veux pas les acheter. Femme, entrez, allons-y. Ne me perds pas le temps, je suis pas toute la journée. Monsieur, c'est quoi ton problème? Descendez. C'est ça mon problème. Descendez. Entre dans la voiture, s'il te plaît. Oh, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Ok. C'est combien la facture? 1400. 1400. Bien. Je te ferai un transfert parce que je n'ai pas de cash. D'accord. Bien. Désolé, il y a un problème de réseau avec la banque depuis ce matin. Ah, ce problème de réseau. Oh, mais qu'est-ce qui va pas avec ce problème de réseau? Ça ne fait que m'embarrasser là. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ça veut dire quoi ça? Donnez mon argent, ne me stressez pas. Ah, mais calme-toi, je n'ai pas dit que je te donnerai pas tes sous. C'est quoi votre plan? Tu entres dans un taxi sans argent, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu avais prévu? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Pourquoi est-ce que tu parles comme si je voulais pas te payer? Monsieur, j'ai pas de problème, je veux mon argent. Je suis vraiment stupide pour c'est dire c'est cela. C'est toi qui es dumb. Je veux mon argent, Alors tu veux me battre? Monsieur, je ne veux pas me battre avec vous. Vous voyez cet endroit, vous ne partirez pas d'ici sans que j'aie mon argent. Vous me le donnerez. Beau comme vous l'êtes, vous entrez dans un taxi. Vous n'avez pas d'argent. 1400, c'est un problème pour vous. Oui, es-tu au bureau? As-tu 1400 naira avec toi? Viens, ramène-les-moi. Rapidement. Qu'est-ce que quelqu'un ne verra pas dans ce Lagos? Bonjour monsieur, les voilà. Tiens, tu peux garder la monnaie. Garde la monnaie. 100 naira? Monsieur, c'est petit. Vous montez. Si c'est votre voiture, portez des femmes qui ne payeront pas. Regardez-le. Bonjour. Bonjour madame. Je crois que vous vous souvenez de moi. Le fils du bailleur. Ok, mon père m'a en fait envoyé vous informer.
vous et vos amis que le loyer a été augmenté de 50%. Quoi? 50%. 50% d'ajout? Mm-hmm. Ça veut dire quoi ces conneries? Je ne comprends pas, est-ce que vous augmentez ce loyer chaque année? Ça veut dire quoi ça? Hein? 50%? Bien, madame, vous savez, ce n'est vraiment pas par la force. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'augmentation, vous pouvez simplement déménager de la maison. La méchanceté tuera ton père. Ton père est un homme méchant. Mais tu vas la fermer. Quoi? Tu deviens folle. Tu perds la tête ou quoi? C'est mon père que tu insultes comme ça. Toi et ton père qui augmentent les prix, dégagez. Si tu continues, on va te déguerpir de cet endroit maintenant. Quelle maison? Qu'est-ce qu'il y a de trop dans cette maison? Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Je t'ai passé le message. 50% d'augmentation ou tu sors d'ici. C'est ce qui vous tuera, ton père et toi. Lorsqu'on te fait, on croit que tu es un cerveau. Dégage de ma maison, s'il te plaît. J'ai déjà payé au moins ma maison. Allez, sors d'ici. Je ne t'en veux pas. Tu dors le matin et la nuit, tu travailles. Pardon, dégage. Ça ne paye pas. C'est pas ton genre qui cherche les prostituées. Je te dis que ça ne paye pas. Allez, dégage. Voilà pourquoi tu peux pas te marier. Allez, dégage. Trouve-toi un boulot. Va retrouver ton inutile de père. Mon inutile famille. Allez, va-t'en. C'est elle qui a construit cette maison. Qu'est-ce que ton père a fait? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel ici? Ok. Dégage de ma vie. Trouve-toi un boulot et cesse de sortir dans la nuit. Toi, tu as un boulot. La police t'arrêtera. Regarde-le. Le boy va te faire arrêter. Pardon, dégage. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui Amanda, a-t-il? Il y a un c'est problème. Quoi le problème? Le loyer. Ce méchant bailleur a encore augmenté le loyer. 50% d'augmentation. Quoi? Tu sais, je ne sais même pas par où encore commencer. Le loyer qui augmente. Ma chère, 50%, tu ne comprends pas. 50% de plus. Tu sais, ça devient un peu de trop. 50% d'augmentation. Oui, bien Mais sûr. Mais qu'est-ce qui arrive à ce bailleur? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Ma chère, on dirait que nous allons bientôt déménager de cet endroit. Parce que je ne sais pas ce qu'on fera. 50%. Où obtiendrons-nous cette somme d'argent, hein, Amanda? Était-il ici? Non, c'est son stupide fils affamé là qui est venu délivrer le message ici. Je te dis, Amanda, où allons-nous prendre 50% pour payer à ces gens? Nous devons déjà emballer parce que nous devons partir. Je suis sérieuse. Bonjour, madame. Oh, vous êtes une femme? Oui. Y a-t-il un problème à ça? Pouvez-vous vraiment conduire? Oui, je suis un chauffeur professionnel. Oui. D'accord. D'accord, venez. Entrez de l'autre côté. Où allez-vous exactement? À Leki. Leki, d'accord. Ma chère, je n'aime pas ce que vous faites. Ce que vous faites n'est vraiment pas bien. Oh, ce que vous faites n'est pas bien. Est-ce à moi que vous parlez? Oui. Pourquoi faites-vous ce boulot? Conduire, c'est pour les hommes, c'est pas un boulot pour les femmes. La conduite n'est pas un truc de génotype, tout le monde peut conduire. Ça l'est. Conduire, c'est pour les hommes. Il n'y a rien de féminin dans la conduite, tout cela a été fait pour les hommes. Je ne vois rien de mal à ce que je fais. Bien sûr, parce que les femmes de nos jours s'en foutent de la vérité. En fait, conduire, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Tu n'as rien à voir à faire avec ce boulot. Il y a énormément de travail pour femmes là-dehors. Pourquoi ne pas aller en chercher un et arrêter ces conneries? Arrête cette compétition qui est pour les hommes. C'est pourquoi les femmes comme toi ne peuvent pas garder un homme, elles ne peuvent pas garder un mari. Madame, allez, descendez, s'il vous plaît. Pourquoi? Pour
Quoi? Descendez! Je ne pars plus! Que ça se termine maintenant! C'est de ça que je parle! Madame, je pense que cette fois je vais vous bafler! Tu dois avoir l'air de la descendez! Tête. C'est de ça que je parle! Madame! Allez! Descendez sur le champ! Madame, descendez! Tu dois avoir perdu tes sens! Si vous ne descendez pas maintenant, vous verrez. En fait, si vous ne descendez pas maintenant, il y aura problème. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Allez, descendez, descendez, descendez. Je vous porterai plainte. Porte plainte. Je vous porterai plainte. Vous êtes folle. Espèce de folle. Je vous porterai plainte. C'est vous qui êtes folle. Je vous porterai plainte. Je vais vous pousser dans cette rigole. C'est de ça que je parlais. Je ne suis plus avec vous. Ne peut pas garder un homme. Je te porterai plainte. Tu perdras ton boulot. Attends d'y voir. Est-ce à moi que vous dites ça? Il fallait attendre 5 minutes. C'est là où vous retrouverez. Malade. Il y a une bombe dans ta tête. J'espère que ce n'est pas ça à quoi je pense. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. J'espère bien. Ah, monsieur, encore vous? Oh. Ça veut dire quoi, toi, encore? Et quand tu commandais, n'as-tu pas vu mon visage? Mais qu'est-ce qui va parler, toi? On dirait que vous avez des plans. Monsieur, attendez. Je veux voir l'argent que vous avez avant d'entrer dans cette voiture. Tu pars ou pas? Nous partirons, hein? Monsieur, j'ai dit que si je ne vois pas votre argent, vous n'entrez pas. C'est clair pour moi que t'es folle. C'est quoi ton problème? Tu es malade? Vous demandez si je suis malade? Sur ma voiture? Monsieur, c'est vous qui êtes malade. Si je ne vois pas votre argent, vous n'entrez pas dans cette voiture. Vous pensez que je m'amuse? Tu pars ou pas? Papa, papa. Où est l'argent? Vous partez. Ah. Vous êtes un scammer, j'ai confirmé. On dirait que vous voulez voler ma voiture. Vous n'avez pas d'argent et vous voulez entrer dans le taxi. Je te noterai de 0 étoile. 0 étoile. Ok. Et voilà. Merci, bébé. Y a pas de quoi, chérie. Alors, dis-moi, comment se porte ton business de Torah? Bien, ça va tout doux et je suis à la recherche des clients chaque jour. C'est bien. Mm-hmm. C'est bien. Yep. Très bien. Eh bien, moi, tu ne me feras jamais acheter quelque chose en ligne, je te l'ai dit. Tu sais, bébé, une affaire ne suffit pas de nos jours et je fais tout ce qui me passe sous la main. Tu sais, manger de nos jours n'est pas facile, donc je prends tout ce qui vient devant moi. D'accord, c'est bon. Bien sûr. J'imagine que je suis vieux jeu. Ça fonctionne, tu l'es sûrement. Bah, avant que je ne l'oublie, nous voyageons pour Abuja. Nous avons un stage là-bas. Oh. Ouais, j'y serai pour une semaine, quelque chose comme ça. Vraiment? Tu sais, tu me manqueras énormément. Tu me manqueras aussi. Doucement. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Que... pas de sexe. Oh, ok. Nous allons déjà à 6 mois. Qui est-ce que tu dis pas de sexe encore? Bébé, souviens-toi de ce que je t'ai dit plus tôt. À propos de ce que m'a fait le premier amour de ma vie. Il m'a brisé le cœur et j'ai fait le vœu que... je n'aurai aucun rapport avec un homme si je ne suis pas mariée à lui. Et je ne reviens pas sur mes paroles, je suis une fervente chrétienne. Bébé. Oui, je vais bien, je t'ai compris. Tu sais que c'est pas moi qui brise le cœur. Je sais, bébé. Ça va aller. Vraiment? Je te patienterai, j'attendrai. Vraiment? J'attendrai. Merci. Non, non, ne me fais pas de bise. Après, tu me feras encore des problèmes. D'accord, ok. Envoie-les-moi comme ça.
Jeune demoiselle, vous n'êtes pas rapide. Je suis en retard avec mon interview. Roulez rapidement. Calmez-vous, monsieur. Je suis au volant. Vous ne roulez pas rapidement, s'il vous plaît. Allez-y vite, allez-y. Monsieur, laissez-moi conduire. Je ne peux pas m'envoler. Hey, oh, c'est quoi ça? Oh. Vous voulez que je conduise? Venir conduire quoi? Mais roulez rapidement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne pouvez pas avancer cette voiture. Roulez rapidement. Je suis déjà en retard. Vous pouvez crier. Que dites-vous? Vous pouvez parler. Oh mon Dieu. Je ne peux me suicider à cause de vous. Ah. Je peux conduire. Je ne peux parler. Je ne peux me suicider à cause de vous. Vous vous amusez avec mon interview, c'est ça? Ok. Vous pouvez crier comme vous voulez. Je peux le faire jusqu'à faire un accident. Je ne peux me suicider à cause de vous. Vous jouez avec mon interview. Salut. Monsieur, si vous passez, vous pouvez juste conduire et vous garer là. Je vois que tu as des soucis. Vous voyez que j'ai des problèmes de voiture et vous venez vous moquer de moi. Je vais juste t'aider. M'aider? Comment? Écoute, je suis pas là pour me moquer de toi, ok? Désolé pour la dernière fois, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est pas dans mes habitudes, ok? D'accord, sans problème. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture? Je ne sais pas, la voiture ne démarre pas. Ok, dans ce cas, permets-moi d'appeler mon mécanicien. Je l'appelle pour toi, il viendra te la ranger. D'accord? Merci.
Allô, chef Owale. Oui, j'aimerais que tu viennes rapidement. Viens sur la rue Balogun, très proche de... C'est proche de... Aweland, oui. Ok, d'accord. Oui, je pense que c'est un problème de moteur. Ah, c'est pas un problème de moteur. Ah, oui. C'est pas un problème de moteur. Ok, mais ramène-toi avec tes outils, d'accord? Rapidement. Problème de moteur, ça veut dire d'accord, quoi ça? D'accord. Il arrive. Mais ça pourrait être n'importe quoi, pas seulement non, le problème de moteur. Non, ça ne peut pas être le moteur, non. D'accord. Votre facture fait 4 800. Ok. Désolée, je pense que le réseau est mauvais. Sœur, ce n'est pas ici que je devais vous déposer, c'est cet endroit, n'est-ce pas? Oui. Oui, payez-moi hein, pour que je puisse partir. Ah! Tantine, calmez-vous, non? Pourquoi voulez-vous m'embarrasser à cause des 4 000? N'avez-vous pas de manière? Ah! T'embarrasser? À cause de 4 000. D'accord. Ramenez ma perruque, s'il vous plaît! Ah non, mon Dieu, Tantine, suppliez-moi. Tantine, qui est ta Tantine? S'il te plaît. Mon Dieu. Oh, Jésus. Je vais vous mordre là. Mon téléphone. Oh, mon téléphone. Le chauffeur est là. Oh, allons pointer. Mm-hmm. N'oublie surtout pas ce que je t'ai dit à propos de notre loyer. Ce sont les clients que nous devons chercher. Évidemment. Allons-y. Ah non, je crois qu'elle est en chemin. Regarde, non? Regarde. Ah non, il sera bientôt là. Peut-être c'est lui. Laisse-moi voir si c'est lui. Regarde encore. C-K-T-U. Oui, c'est elle. C-C-U-T-K, ouais. Je crois que c'est elle. Attends. Le chauffeur est une femme? Oui. Jamais annule la commande. Et commande un autre taxi. Pourquoi devrais-je faire cela? Mon ami, tu devrais savoir, c'est pour notre affaire. C'est une affaire d'homme, hein? Tu connais comment ça se passe. Amanda, la même débrouillardise que toi et moi nous faisons, c'est la même qu'elle fait. S'il te plaît, je sais que c'est la même débrouillardise, mais je préfère que ce soit un homme. Tu sais comment, je sais comment ça se passe. Tu déranges trop. Vraiment, allons-y. Hein? Ah, tu exagères. Donc quelqu'un ne peut la plus. La portière est déjà ouverte. Tantine, ouvre la portière de ta voiture. Madame, ouvrez votre portière. Amanda, vas-y, entre.
Okay. Ah. J'aime votre façon de conduire. Alors, combien fait notre facture? 2500. C'est assez juste. Eh bien, je gère. Tenez, vous savez, j'aime votre façon de conduire. Et généralement, je vous aime. Alors, Amanda, qu'est-ce que tu en penses si elle devient notre chauffeur personnel à chaque fois qu'on veut sortir? Du genre, faire d'elle notre chauffeur personnel. Mm-hmm. Qu'en penses-tu? Pas mal. Ok. Alors, ma chère, j'ai ton numéro et je t'appellerai pour venir nous prendre plus tard, ok? D'accord. D'accord, très bien. Chief, Chief. Ah, je ne savais pas que vous veniez. Ah non, maintenant je suis là. Ooh. Je suis là pour prendre soin de toi. Ok. Bonsoir, Chief. Ouais, ouais. Et en fait, rien ici en bas, allons-y en haut. Chief, calmez-vous, prenons encore une boisson. Non, non, pas besoin de ça. Tout ça, c'est moi jusqu'ici en bas, allons-y en haut. Et vous savez quoi? Je ne l'ai jamais fait avec deux. Pas encore. Ouais, ouais, ouais. Non. Chief, t'en fais pas. Nous prendrons soin de toi. Allons-y. Chief, qu'y a-t-il? Ah, vous voulez me tuer? Attendez. Chief, vous allez bien? Je vais bien, je vais bien. C'est juste que... Chief, mais que se passe-t-il? C'est ton ami qui ne fait que me faire. Vas-y, vas-y, fais-le, fais-le. Nous n'avons encore rien fait et tu te plains déjà. Calme-toi. Calme-toi. J'ai pas encore commencé. Je bébé, vous ferai bébé, ressentir bébé, attends, ce... attends. Bébé, attends. C'est mon argent, ne t'inquiète pas, c'est permanent. Tu me donneras un peu de temps pour que je me remette, ok? Madame, ensuite tu pourras, pourquoi tu pourras prendre quelques temps. C'est quoi oui, le problème? Oui, comment on fait tout ça? Vous êtes extraordinaire. Chief, vous avez dit que vous aviez besoin de deux femmes. Vous êtes trop bonne. Chief, de toute façon, vous agissez déjà là. J'espère que notre argent est complet. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai votre argent. Je finirai d'abord avec ceci, calme-toi. Il faut que je mange bien, tu vois. Chief, c'est le meilleur. Tu sais que je ne l'avais jamais fait avec deux avant. Ah, Chief. Calmez-vous. Attends. Oh, Amanda. Cette affaire de loyer me rend tellement dingue. On se plaint de l'économie et cet homme augmente le loyer, ça veut dire quoi? Si ce n'est à cause du fait que j'aime cette maison, je t'aurais suggéré que nous déménageons. Oui, tu as raison. Quittez cette maison ou trouverons une autre pareille. Ah hein? Dieu merci, je n'ai pas de problème de bailleur, je suis mon propre bailleur, hein? Vous êtes propriétaire de maison? Non, je vis dans ma voiture. Tu vis dans ta voiture? Oui, je vis dans ma voiture. Mais... Pourquoi vis-tu dans ta voiture? Qu'est-il arrivé à ta maison? Je vis dans ma voiture, ça va faire plus de 2 mois maintenant. Je me lève le matin, je prends mon bain et je m'habille, je vais au travail. As-tu un endroit particulier où tu vas garer pour dormir? Oui, je vis dans le garage d'un estate. À cet endroit, tu n'as pas de problème de sécurité. Mais tu sais, c'est dangereux là dehors. Tu veux dire que tu prends ton bain dans la rue? Oui, je le fais dans les 4 heures. À 7 heures, tout est calme. Je me brosse, je me lave et je m'habille. J'ai mes choses rangées dans l'arrière de la voiture. Écoute, n'as-tu pas peur d'être attaqué par ces mauvais garçons et autres? Ma chère, je n'ai vraiment pas peur de ces méchants garçons. Tout va bien. Je bannis la peur, c'est la vie.
D'accord, à ce point, je voudrais vraiment savoir ce qui s'est passé. C'est quoi ton histoire? Ma chère, je vivais chez un cousin et il a essayé de me violer. Quoi? Ton cousin? Bien sûr. Était-il fou? Il a fait faillite, je me dis que c'est ça qui a tourné dans sa tête. Après lui avoir donné la bastonnade de sa vie, je suis partie. Vous savez, j'avais un chez moi. Et quand il fallait payer le loyer, ma mère est tombée gravement malade. Alors, je me suis servi de l'argent pour lequel je vais payer le loyer pour payer ses factures. Le bailleur n'a pas voulu accepter, alors il a jeté mes effets dehors. Mais tout va bien maintenant, je suis mon propre bailleur, donc je fais avec. C'est triste. Au moins, je n'ai de compte à rendre à personne. Vraiment, vraiment désolée. Ainsi va la vie. Vraiment, désolée. Ah, merci. Tu sais, c'est pas sécurisant là d'ailleurs. Tu sais, même quand quelque chose va t'arriver, même chez toi, ils peuvent venir te violer. En fait, parce que tu es une femme. Paye le taxi. Doris, où passeras-tu la nuit? Parce qu'il se fait déjà tard. Je passerai la nuit dans ma voiture comme d'habitude. C'est vrai que l'endroit où je vais souvent garer a déjà fermé parce qu'il se fait déjà tard, mais je vais me battre. Je chercherai un endroit pour dormir. Tu sais quoi? Donne-moi une minute, je reviens. Eh bien, ma chère. Quoi? Amanda? Faisons quelque chose pour elle. Quelque chose comme quoi? C'est dangereux là dehors. Donnons-lui un toit le temps qu'elle se trouve un appartement. Mais nous ne la connaissons même pas pour l'héberger. Amanda, est-ce que je te connaissais quand je t'ai laissé partager mon appartement avec toi? Hein? Regarde-la, elle a besoin d'aide. Ne laisse pas cette fille nous causer des problèmes. Quel problème va-t-elle nous causer? Regarde-la, elle n'a même pas l'air dangereuse. C'est toi qui poses ce genre de questions? On écrit ça sur le visage? Hein? On écrit ça sur le visage? Écoute, hein? Amanda, nous sommes de la rue. Si elle tente quoi que ce soit, elle comprendra. Ah ah! Tu sais que je n'accepte pas les conneries. Oh! Allez! Soutien entre femmes, tu sais. Oui, oui, tu sais comment ça se passe. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Faisons-la entrer. Voilà. Alors, chérie, nous avons décidé que tu peux rester avec nous le temps que tu te trouves un appartement. Qu'est-ce que tu dis? Alors, tu peux entrer. Bonjour, monsieur. Doris, comment vas-tu? Bien, monsieur. Ah, bien. Comme tu peux le voir, je voudrais pas prendre plus de ton temps. Je suis sûr de prendre parti. Ok. Laisse-moi juste aller droit au but concernant ce que je voulais te dire. Ok. Doris, à partir de la semaine prochaine, j'aimerais que tu me verses 100 000 nerfs à la semaine. Monsieur. Oui, tu m'entends-tu? 100 000 nerfs. Dès la semaine prochaine, je prendrai pas moins que cela. Hmm? Monsieur, vous savez, ça sera difficile. Et même les 80 000 naira que j'ai payés, c'est déjà difficile. Écoute, Doris, ce ne sont pas mes affaires. Hmm? Si tu ne peux pas le faire, tu me rends ma voiture. C'est quoi le problème?
C'est quoi cette expression de ton visage? Cette vie me fatigue. Je suis déjà frustrée. Mais qu'est-ce qui te frustre? Tu sais, je dois donner 80 000 naira chaque semaine au propriétaire de la voiture. Ma chère, je me bats tellement. J'ai déjà tout essayé. Parfois, je fais des heures supplémentaires. Parfois, très tard dans la nuit. Parfois, je me bats avec des clients juste pour me faire cet argent. Hein? Maintenant, le propriétaire a fait appel à moi pour me dire que... qu'ils veulent 100 000. Où vais-je prendre les 20 000 d'en haut? Quoi? Oui. Comment? J'essayais de lui dire que c'est impossible. Il a dit non, 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 non. Si tu ne peux pas le faire, il y a les gens qui peuvent le faire. Redonne ma clé. Lui as-tu remis la voiture? J'ai dû le faire. Salut les filles, je suis de retour. Baladeuse professionnelle. Ah, c'est qui que tu appelles comme ça? C'est mon fiancé que je suis allée voir. J'espère qu'il t'a donné quelque chose pour les filles. Eh bien, rien de sérieux, juste 20 000. Pour le week-end. Il voyage pour Abuja demain. Donc, tu as vraiment un fiancé? Oui. Pensais-tu que je plaisantais quand je te l'ai dit? Si tu es fiancé, comment continues-tu de... faire quoi? Bien, l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma vie. Et l'autre côté, c'est strictement à faire. Aucun sentiment, aucune émission n'est impliquée. Oui, exactement. Doris, pourquoi n'entres-tu pas dans notre business vu que le tien est tombé dans l'eau? Tombé dans l'eau? Pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur, le propriétaire de la voiture, a augmenté la somme qu'elle donnait par semaine de 20%. Waouh, que vas-tu faire, joins-toi à nous? Écoute, tu verras que dans cette affaire... tu vas très bien t'en sortir. Non, mais regarde-toi. Crois-moi, je sais ce que veulent ces hommes. Je sais ce qu'ils recherchent dans cette affaire. Hein? Doris, je te dis, je suis une experte. Regarde-toi, ton marché passera. Ton marché se vendra très bien. Sérieusement, joins-toi à nous. Doris, regarde-toi. Regarde tes lèvres, regarde ton visage, regarde ton popotin, regarde-toi. Devant, derrière. Doris, Doris, tout y est. Tu te feras de l'argent. L'argent, tu comprends ce que je dis? Tu n'auras plus de problème d'argent, qu'est-ce que tu en dis? Hein? Chante-toi à nous. Hmm? Regarde-la. Doris, monter, descendre ne résoudra rien. Je ne sais pas où cette idiote stupide voudrait que je trouve 80 000 naira. Hein? Mais tu n'aurais pas dû gifler un officier de police? Cet idiot m'a d'abord baflé. Ok, 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 mesdames, je vous en prie. Oubliez ce côté, c'est pas le problème présent. Ce à quoi nous devons penser, c'est comment récupérer cette voiture du commissariat. Et le plus tôt sera le mieux. Et cet inspecteur a dit que si je ne viens pas avec 80 000 naira demain, il me sommera de mandat de violence sur la circulation. Et le même gouvernement ne pourra ni le blâmer, ni le réprimander, hein? Ma sueur! Alors comme ça, basiquement, tu n'as que 2 jours aujourd'hui et demain. Oui. Écoutez, moi j'ai 20 000 naira. Je me demandais si vous pouvez me donner les 60 000 restants, je vous rembourserai. Ah, Doris, moi j'ai pas d'argent, hein. Je n'ai même pas un naira sur moi. Sauf si tu attends. Quand la nuit tombera, quand je sortirai tout ce que je me ferai, je viendrai te le donner. Merci beaucoup. Bien... Pareil pour moi, je te donnerai ce que je ferai cette nuit. Mais attends, Doris, tu devras venir avec nous cette nuit quand nous ferions notre tournée nocturne. Oui, c'est vrai. Tu dois te joindre à nous. Doris, tu dois te joindre à nous. Tu pourras te faire cette somme d'argent que tu cherches là. Comment ça? Tu te feras plus que ce que tu recherches ici. Ah, tu viens avec nous. Doris, tu affrontes la rue avec nous cette nuit. Hein? Ma chère, tu te joins à nous. Ce soir, tu affrontes la rue. Ne joue pas la Vierge Marie avec nous ici. Tu sais, nous tous, nous sommes des vierges. Nous sommes des vierges Marie. Ne fais pas ça ici. Non, attends. Amanda et moi, nous irons dehors. Chercher l'argent et nous prendrons cet argent pour... Juste comme ça. Pour tes Madame, beaux yeux. Madame, tu viens avec nous aujourd'hui. Je suis d'accord, tu dois venir avec nous. Doris, je te promets, Doris, tu te feras beaucoup d'argent, sérieusement. Ah,
Ah, ça, ma chérie, tu es vraiment... Allez, wow. Viens, si tu te regardes vraiment, tu es toute belle, tu es radieuse. Tu prendras ton baptême cette nuit. Non, mais tu es toute radieuse, là, tu es belle. Fais-moi confiance, cette nuit sera vraiment waouh. Je déteste être traitée ainsi. D'accord. T'en fais pas, Doris. D'ici peu, toute cette situation ne te dira plus rien. Hein? Fais-moi confiance. Je me déteste à cause de ça. N'étais-tu pas fait 50 000 cette nuit? Et c'est à proximité ce que tu te fais pendant une semaine dans ton travail de chauffeur. C'est une façon décente de vivre. Peux-tu, s'il te plaît, m'épargner de cette vie décente? La question est, t'es-tu fait de l'argent ou pas? Écoute, ma chérie, tu dois tuer cette innocence que tu as en toi. Si tu veux te faire l'argent dans cette vie... Non, Amanda, ne te dérange pas, ne la stresse pas. Tu vois toute cette innocence en elle, tout ça se terminera au moment opportun. Eh bien, qui m'appelle? Doris. Allô, bébé. Oui. Je sais, je serai là dans son instant. Mais tu as rapporté de l'argent, hein? Que se passe-t-il? Allô? Ma chère, j'ai récupéré la voiture. Je suis chez le garagiste maintenant. Si tu voyais ce que j'ai enduré. Hé, hey, ce gars insistait que je devais payer 80 000. J'ai commencé à les supplier, et finalement, en fin de compte, il a pris 60 000.
Y a pas de souci. Je te parle plus tard. Ça dit quoi? Allô? Oui, salut, Doris. Non. Ok, c'est Clint, le gars avec qui tu étais hier. J'ai vraiment kiffé tout de toi hier. C'est pourquoi tu appelles? Calme-toi, pas vraiment, d'accord? Mon boss dit qu'il veut une bonne fille assez chaude. Alors je lui ai dit que j'avais ce qu'il recherchait. Je ne suis pas un instrument, arrête de m'appeler ainsi. Calme-toi, d'accord? Ah, ok. Revenons au business. T'es partante? Parce que la paye est très bonne. Crois-moi, mon boss est vraiment généreux avec les sous. Je te rappelle. S'il te plaît, fais-le dans 30 minutes, d'accord? Oui, merci. Mon gars, ça dit quoi? Dépêche-toi, dépêche-toi, il n'y a pas de temps. D'accord. J'ai terminé. Bien, ça fait combien? Comment tu vas? Tout va bien. Je ne fais que regarder ceci. Okay. C'est intéressant, tu sais. C'est quoi ce film? Beyond the Farm. Oh, c'est ça le titre? Oui. C'est intéressant, tu devrais... Comment tu vas? Quelque chose vient d'arriver. Mm-hmm. Le gars avec lequel j'étais hier. Il a dit que son boss a besoin de compagnie. Et il a dit qu'il avait besoin que je le fasse. Qu'est-ce que j'attends? J'ai peur, je suis inquiète, je ne sais pas. Tu l'as fermé, allez faire ce putain de boulot. Ah! Mais de quoi as-tu peur? Chelsea, vas-y doucement avec elle. Tu sais comment les nouveaux se comportent, non? Hein? Ok, ok, Doris, désolée d'avoir crié. Mais s'il te plaît, enlève-moi toute cette innocence qui est en toi et va faire ce boulot. Qu'est-ce que tu veux? Va travailler l'argent. Elle a raison. Non, mais regardez-moi ça. Regardez comme elle est belle, mon ami. Va te faire de l'argent, même si ce sont les dollars. Chef, chef. Ah! Bonsoir, monsieur. Mande. Ken, Ken. Oui. Oh, Dego. Oui, elle est là. Eh, ya. Okuna bonaza. Comment vas-tu? Allez, tourne. Allez, tourne comme un petit avion. Eh, ya. Viens t'asseoir sur ma cuisse. Allez, viens. Allez, viens t'asseoir. Ah, ah. Assieds-toi. Ah, ah. Sais-tu ce que mes gens appellent au Gameway? Un miroir, on l'utilise pour se mirer. Tu es comme un ougwebé. Hein? Regarde. Et mon petit Ken m'a dit que tu y es fraîche. Alors, quel est ton nom? Doris. Ah, Doris. Nous te donnerons un nouveau nom maintenant. Ougwebé.
Le miroir, hein? Tes lèvres, si on les utilisera à bon escient. Et Manema, quoi, moi? Chef, hein? Oui, c'est chef, Mazé. Hein? Oui. Fais-moi voir. Allez, allez, viens là. C'est qui, je sais, là, Ken? Oui, monsieur. Chef, Amabia, un instant. Laisse-la partir, ok? Et donne-lui 350 000. C'est paquet. Et qu'est-ce que vous voulez encore, ça? On verra comment la domestiquer. Non. Hein? Mais il y a un chiffre rond. D'accord. Hein? 400 000. Merci, monsieur. Akagwe Dogebe. Diwata. Ok. Allez, vas-y. Ok, allez, viens, monsieur. Engagez les affaires. D'accord, monsieur. Je ne mixe pas le business, c'est le plaisir. Que Dieu te bénisse, monsieur. Mais je saurai quoi faire à propos de ceci. D'accord, je monsieur. Je dois faire quelque chose. Obago. C'est bien. Je viens directement. Non, elle est partie. Oublie ça. Oublie ça, je la verrai plus tard. Je meurs pas maintenant. Bienvenue. J'ai eu mon jackpot. Tu mens. Que s'est-il passé? J'ai eu 400 000. Quoi? J'ai pas vu ça. As-tu volé l'argent de cet homme? Non, il me l'a juste donné comme ça. Dis-nous. Comment as-tu touché cet homme pour qu'il puisse te donner 400 000? Je vais tout vous raconter. J'ai arrivé dans l'appartement de cet homme. Après, il a eu un appel. Par la suite, il a demandé à son garde de me donner 400 000. Il a dit que je lui plais et qu'il reviendra sûrement. Doris! Je sais! Alors, tu dois nous offrir quelque chose, n'est-ce pas? Attends, je ne comprends pas, c'est quoi? C'est quoi, hein? Regardez celle-ci. La calédie, tu nous offres quelque chose. Doris, regarde notre vieille Marie. Bien sûr. La prochaine fois, ce sera 10 millions. C'est vrai. Nous t'avons dit des dollars. Boulot, des dollars. Ça paye vraiment. Tu es vraiment chanceuse. Bébé. Nous sommes déjà à plus de 6 mois maintenant. Bien. Pourquoi ne veux-tu pas me présenter à tes amis ou alors à ta famille? Bébé, tu feras leur rencontre avec le temps. Combien de temps encore? Combien de temps encore? N'es-tu plus mon bébé? Je suis ton bébé. Moi, je peux plus attendre. Bébé, tu as dit que tu ne me dérangeras plus pour ça. Oui, je sais que je l'ai dit, mais je suis un humain. Bébé, c'est une relation sans sexe, je te l'ai pourtant dit. Après ce qui s'est passé avec mon premier amour, j'ai pas fait la mort depuis près de 8 ans. Tu es prête? Oui, je suis prête. Où est Chelsea? Elle n'est pas rentrée. Ok, allons-nous l'attendre. Laisse-moi l'appeler. Ok. Et tu connais mes croyances, je suis une fervente chrétienne. Bébé. Mais bébé, tu sais que je suis un humain, n'est-ce pas? Oh oui, je sais. Désolée. Oh, c'est ma femme de ménage. Elle ne sait pas que je passe la nuit dehors. Ok. Salut, Mandy. Qu'est-ce qui te retient à cette heure? Oh, désolée de ne t'avoir pas dit que je ne rentrerai pas. Je passe la nuit chez mon homme. Ah, ma chère, tu dois rentrer où? Aladdin vient d'appeler, il a besoin de toi. Et Doris est déjà dans le bain. Vraiment? Oui. Et tu sais qu'Aladdin paye en dollars. Les dollars sont très rares maintenant. Tu dois rentrer. Ok. D'accord. Elle arrive. D'accord, donc on attend. Oui, nous devons l'attendre. D'accord. Mmh.
Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Elle s'est évanouie. Amanda, t'en fais pas, j'arrive. J'arrive sur le champ. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma cousine qui vit avec nous s'est évanouie. Elle a été amenée à l'hôpital, je dois aller la voir. Mais c'est une urgence, laisse-moi te déposer. Non, non, attends, non, je prends ma clé. Non, te dérange pas. Je dois partir, je dois aller seule, tu ne pourras pas comprendre. Ne te dérange pas. Alors, combien est-ce que je te dois? 2500. 2500 seulement? Oui, seulement. Ok, tu aimerais que je te le transfère ou alors que je te paie en cash? Comme vous voulez, monsieur. Je vais te donner le cash. voilà. 2000... Je crois que j'ai 500 quelque part. Voilà. C'est vrai que je marche pas. Avec trop de cash sur moi. Merci. Bien, une fois que j'aurai terminé avec la réunion, tu viendras me chercher après, ok? Ok, et si je suis très loin? J'attendrai. D'accord. Passe une bonne journée. Écoute, ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance. Je ne fais confiance à aucun homme. Ma copine, mes yeux ont déjà tout vu. Mais je sais que je ne dois pas douter de lui, donc... Tu ne veux pas faire le sexe avec lui. Ne penses-tu pas qu'il sera tenté à regarder une autre femme? Non, non. Crois-moi. Il est le genre à avoir une seule femme. Et si, disons, pour une raison ou pour une autre, il me trompait? Et qu'il me demande pardon. Et déclare son amour pour moi et il me prouve qu'il veut vraiment m'épouser. Ma chère, je prétendrai que rien n'est arrivé. Vraiment? Mm-hmm. Écoute, le but est qu'il m'épouse, moi. La façon dont tu parles du mariage avec ce gars. Il me semble que tu as désespérément besoin de cet homme. Ma chère, je suis totalement amoureuse de lui. Du genre, je peux tuer, hein? En fait, tu connais, n'est-ce pas? Non, non, tu ne peux pas tuer. Non, je te connais, tu ne peux pas. Honnêtement, je suis sérieuse. Ma marmite, tu as presque terminé. J'ai dit que je peux tuer pour ce gars. Arrête ça. Je suis tellement amoureuse de ce gars. Ah, d'accord. Ok. Désolée, je suis vraiment désolée, j'étais en course quand vous m'avez appelée. Alors? Je comprends. Je t'ai dit que j'allais t'attendre, n'est-ce pas? Oui, vous l'avez fait. Où allez-vous? Allons-y. Amène-moi dans n'importe quel bon restaurant. Je vais t'offrir un repas. Moi? Sérieux, j'aimerais t'offrir un repas. Choisis n'importe quel bon restaurant de ton choix. À 7h, j'ai déjà déjeuné et je travaille encore. Un dîner alors, un dîner. Choisis juste un bon endroit. Vous êtes sûr de ça? Je le suis. À 100%. Ah. Regarde l'appareil.
peux regarder de l'autre côté. Ok. D'accord, je crois que c'est bon. Tu peux changer de poster. D'accord, positionne-toi. C'est génial. Ok. Je vais te prendre le visage. Ok, où vas-tu comme ça? Je sors. Ah. Doris, c'est quoi le problème? Et pourquoi es-tu habillée ainsi? Je vais à un rendez-vous avec quelqu'un. Et cette personne n'a pas de nom. Ok. C'est un gars que j'ai transporté aujourd'hui. Il me plaît et je vais faire une sortie avec lui. Waouh, Doris! Donc tu donnes aux hommes le libre champ maintenant, hein? As-tu parlé du champ libre? A-t-il payé pour ça? Bien sûr qu'il a payé. Ok. Si tu le dis, fais-toi plaisir. Amuse-toi bien, mais ouvre tes yeux. Arrête bien ton téléphone. Que rien ne t'arrive. Ne vous en faites pas, je sais ce que je fais. La petite fille a grandi. Je suis désolé. Je pouvais pas supporter. C'est ok. Ok, je vais ôter mes yeux. C'est bon. Bien. Je t'apprécie. Je t'apprécie beaucoup. Et je me demande bien si on peut se mettre ensemble. Ta petite amie ou l'une de tes petites amies. Ok. Je vais être honnête avec toi, je suis quelqu'un d'honnête. J'ai quelqu'un dans ma vie. Mm-hmm. Mais nous ne sommes pas connectés. Il y a quelque chose qui manque dans cette relation. Oh non, c'est... Ok. Non, mais avec toi, je ressens quelque chose de différent. Quelque chose me dit que tu es bien pour être avec moi. Les chansons de tous les jours. Je suis vraiment sérieux là. Je t'apprécie aussi et je ne vais pas le nier. Peut-être je dois te mettre en étude pour les 3 prochains mois. Pour voir le petit ami que tu seras. C'est un oui. C'est une petite parenthèse. Non. C'est un oui. C'est un oui. Je te mettrai en étude si tu es bon. On franchit la prochaine Ça étape. Ira.
Les filles, j'ai fait appel à vous parce qu'il y a quelque chose d'important dont j'aimerais discuter avec vous. D'accord, et qu'est-ce que c'est? Je crois que je ne veux plus continuer dans ça, je vais arrêter. Pourquoi? Pourquoi? Le gars dont je vous ai parlé, celui avec lequel je suis sortie. J'ai accepté d'avoir une relation avec lui et je l'apprécie. D'accord, alors? Alors, je pense que je l'aime. Et je ne veux rien faire qui détruit ma relation avec lui. J'espère que tes amis m'apprécieront. Bien sûr qu'elles le feront. Elles n'ont pas de choix. Oh mon Dieu, j'ai pas appelé mon bébé. Bébé, allô? Bon après-midi. Oui, bon après-midi. Eh bien, j'ai manqué ton appel hier nuit. J'étais à l'église, tu sais. À la nuit des prières du mois. Oh, ça va. Je t'appelais parce que j'aimerais que nous discutions de quelque chose de sérieux. Vraiment? Dis, tu voulais qu'on parle de quoi? Ah, pas maintenant, je t'appellerai plus tard. D'accord. À plus tard. Bye. Quelque chose d'important. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Ah, cette voie est très étroite. Rassure-toi que ce repas soit bon. Bonjour. Salut, bienvenue. Tu peux prendre place. Merci. Ma copine, lui c'est Jamie, mon petit ami, bébé. Elle c'est Amanda, ma colocataire et mon amie. Bienvenue. Ravie de te connaître. Le plaisir est partagé. Amanda, Doris est rentrée? Oui, Dorico! Tu as beaucoup raté la nuit dernière. Tu te souviens de ce gars qui m'a porté? Je lui ai dit que c'était 50 000 un round. Le gars a accepté. Chelsea, ferme-la. Les filles, le gars connaît faire. En fait, on aurait dit une machine. Chelsea, vas-tu la fermer pour une fois? Ferme-la. Pourquoi es-tu jalouse de moi? Pourquoi ne voudrais-tu pas que je m'exprime? Nous avons de la visite. Pardon, est-ce qu'on t'a déjà fait ça comme ça de toute ta... Bébé, s'il te plaît. Bébé, je t'en prie, ne t'en va pas, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. Quoi? Bébé, je t'en prie. Chelsea, où étais-tu la nuit dernière? Je t'ai pourtant dit, je t'ai à une veillée des prières, je travaille à l'église. Tu te prostitues dans la nuit? À ça jamais, Jimmy, tu me connais. Jimmy, comment peux-tu dire une telle chose? Tu me connais, non? Tu sais que je travaille à l'église. Je te connais. Oui, je te connais maintenant. Il n'y a pas de souci. Jimmy. Je vais partir. Si tu essayes de me suivre, tu feras. Jimmy, s'il te plaît, je t'en prie, ne t'en va pas. Jimmy,
Jimmy, arrête, Jimmy, s'il te plaît. Surtout, ne dis rien, hein, ma chère. Et toi, là, je te parle à toi. Qu'est-ce que tu fais avec mon homme? Ton homme? Oui, pour commencer, je ne savais pas qu'il était ton homme. Oh, je le connais. Il me plaît et je suis sortie avec lui. Tu fais quoi? Arrête. Amanda, laisse-moi tranquille. Et toi, écoute-moi très bien. Arrête ça, calme-toi. Je ne suis pas ce genre de personne, Salamé. Arrête ça, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Elle part de cette maison. Tu t'en vas de cette maison maintenant. Elle n'ira nulle part. Elle s'en va de cette maison, Jessie. Elle ne bouge pas d'ici. Écoute, si tu sais ce qui est bien, arrête ça. Je dis qu'elle m'écoute, je ne connaissais pas. Elle ne parle nulle part. C'est à moi que tu parles, hein. Arrête, c'est à moi. Arrête tes conneries. Arrête ça. Tu vas arrêter ça? Amanda, je t'avertis. Tu m'avertis de quoi? Écoute, va dans ta chambre. Elle part de cette maison aujourd'hui. Elle n'ira nulle part. Elle part de cette maison. Elle reste dans cette maison. Chelsea, j'aimerais te parler. Je t'écoute. Bien. Tu m'as dit que tu avais un homme, il y a quelques mois. Je viens de voir à quoi ressemblait cet homme aujourd'hui. Ça fait des mois que tu es avec cet homme. Et tu ne m'as jamais montré même sa photo. Même quand je t'avais demandé de me montrer sa photo. Tu m'as demandé d'attendre le jour de ton mariage. Et que je le verrai ce jour. J'aimerais te poser cette question. Ne penses-tu pas que si j'étais celle qui avait croisé ce gars, je serais sûrement sortie avec lui, sans toutefois savoir qu'il est à toi? Raison pour laquelle tu sales une sale trahisseuse? Non. Elle ne t'a pas trahi. Affronte-le. Ton nom était-il inscrit sur son visage? Écoute, Amanda, si je vois cette fille près de lui, je la tuerai. Enregistre mes paroles. Tu la tueras. Attendons voir. Bébé, je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, écoute-moi. Je suis désolée pour tout. Ainsi, tu es une prostituée? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que... Laisse-moi tout expliquer. Sors de chez moi. Je sais que tu... Je ne veux rien de ce que tu me diras. Jimmy, sors de ma maison. Jimmy, je t'en prie. Je ne voudrais plus jamais te revoir. Va-t'en. Va-t'en. Écoute, tu viens de voir ton dernier visage. Je ne viens pas de te... Bébé, s'il te plaît, écoute-moi juste... Écoute-moi simplement, je t'en prie, Jimmy. Par la suite, tu pourras tout comprendre, je te promets. Jimmy, je ne suis pas une prostituée, tu le sais. Chelsea. Je ne voudrais plus te voir proche de ma maison. Que ce soit la dernière fois que tu ramènes tes pieds proches de ma maison, je te préviens maintenant. Va-t'en. Jimmy, je t'en prie. Va-t'en. Jimmy, je t'en prie, écoute-moi. Tu comprends tout de Cravert. Je comprends mal tout. Jimmy. Je t'ai pas entendu parler du Bola. Il s'agissait d'un film. C'était un film. Jimmy. Non, rapproche-toi encore de Jimmy, ma maison, je te montrerai le film. Jimmy, je suis presque vierge. N'importe je quoi. Suis une fervente chrétienne. Jimmy, s'il te plaît. Jimmy. C'est pour toi, c'est un film que je te vois encore ici.
Bébé, je suis pratiquement vierge. Non, 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 non. Jimmy, je t'aime. Bonsoir. Dis, Chelsea. Tu ne vas pas travailler ce soir? Amanda, je ne suis pas d'humeur pour ça. Je ne comprends pas. Est-ce à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui? Amanda, tu ne me comprends pas. J'ai dit que je n'étais pas d'humeur pour travailler cette nuit. Amanda, laisse-moi tranquille. Ne m'énerve pas plus. Calme-toi, j'en fais pas un problème. Donc, à cause de ce qui s'est passé, tu ne veux pas aller travailler? Madame, lève-toi. Doris? Espèce de bâtarde! Que fais-tu encore dans cette maison? Ma chère, s'il te plaît, essayons un peu de parler. J'ai toujours espoir que je vais parler. Allez, viens, Chelsea, viens voir Doris. Chelsea, arrête, Doris, Chelsea. Reviens ici. Écoute. Chelsea, tu veux faire quoi avec ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive finalement? Reviens ici, je mettrai fin à tes jours. Essaye pour voir. Viens, jouer. Calme-toi. Lâche-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon ami, calme-toi. Qu'y a-t-il? Est-ce à cause d'un homme? Amanda, respecte-toi. Ne me cherche pas, ne me pousse pas. Qui te stresse en fin de compte? Amanda, ne me pousse pas. Ok. Continuez de me chercher dans cette maison, vous verrez. Doris, j'ai peur. Tu dois trouver un autre endroit pour dormir, au moins pour cette nuit. De toute façon, je vois Chelsea. Je ne l'ai jamais vue comme ça auparavant. En fait, quelque chose ne va pas bien. Oui, et pour ta sécurité, je te suggérerais de ne pas dormir dans cette maison. Tu sais quoi, je crois que je vais juste prendre mes effets et m'en aller d'ici. Tu veux t'en aller de la maison définitivement? Oui. Et je veux m'en aller cette nuit.
Allô? Je vais bien. Tu voulais me donner quelques explications dans la journée. J'aimerais les entendre maintenant. Laisse tomber. Oublie ça. Toi, je laisse tomber? Pourquoi? Pour rien. Où es-tu? Je suis dans ma voiture. Tu travailles encore à cette heure-ci? Chelsea m'a chassé de la maison. Elle m'a chassé de la maison en me suivant avec une bouteille cassée. Allô? 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 Doris? Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? Éteins. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est éteint. Ok. Je te comprends plus. La mission était de la tuer dans sa voiture. Mais après, tu as demandé qu'on l'amène ici. Arrivé ici, tu dis qu'on ne la tue pas encore. Qu'est-ce qui va pas? Mec, calme-toi. Ne sois pas plus rapide que ton ombre. Tel que tu me vois là, j'ai des plans. J'ai de très bons plans pour toi et moi. Dis-moi, il y a quoi? C'est très simple. Tu vois cette femme-ci, hein? Elle ressemble au genre qui a un bon sponsor qui pourra payer pour sa tête. Là maintenant, on peut placer même 10 millions sur sa tête. Je prends 5 millions, tu prends 5 millions. On ira en riant, on ira en souriant. Tu comprends? L'autre t'a donné un truc? Mieux de toi. La personne qui nous a contacté nous a-t-elle donné de l'argent ou bien même un centime? N'est-ce pas avec son corps qu'elle veut nous payer? Mon frère, dans la vie, faut réfléchir. Je te comprends. Confirme. Où est Doris? Elle est partie de cette maison la nuit dernière. Oh mon Dieu. Il y a un grand problème. Un problème? C'est quoi le problème? Je parlais avec elle au téléphone. Elle a soudainement crié puis elle s'est tue. Je l'ai rappelé puis le téléphone était éteint. Et il est toujours éteint jusqu'à présent. Quoi? C'est sérieux. Nous devons le signaler à la police immédiatement. D'accord, d'accord. Donne-moi une minute, ok? Donne-moi une minute. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui peut bien se passer? Oh mon Dieu. Monsieur Joe. Écoutez, j'ai ce pressentiment que quelque chose ne va pas. Elle doit être vraiment dans les problèmes, s'il vous plaît. Monsieur Timmy, s'il vous plaît, ne paniquez pas. Calmez-vous, s'il vous plaît. Bien, voici. L'information que vous nous avez donnée va vraiment être utile. Hein? Et si vraiment elle a disparu, croyez-nous. Hein? C'est notre travail. On la trouvera. Y a-t-il moyen pour qu'on aille maintenant? Je veux vraiment aider. Ça ne se passe pas comme ça. C'est notre boulot. On la trouvera. Ont-ils déjà fait leur déposition? Oui, c'est fait. Officier, s'il vous plaît, c'est d'une vie que nous parlons ici. Nous devons faire quelque chose aussi rapidement que possible, s'il vous plaît. Madame, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez nous attendre d'ailleurs. Je viendrai vers vous. C'est bon, il demande à ce qu'on ne panique pas. Ok.
Tu veux être libéré? Oui, monsieur. Tu veux partir, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Donne-moi le numéro de ton petit ami. Hein? Je dis, donne-moi le numéro de ton petit ami. Non, tu non, penses non, que je non. joue? Oui, 000. Bien. 080. Très bien. 081. Uh-huh. 081. 081. Ah ah. Et mon ami, continue. Oui, 5. Mm-hmm. 3. Mm-hmm. 3. Bienvenue, bébé. Que fais-tu ici? Ne t'ai-je pas prévenu de ne plus venir chez moi? Bébé, je suis venue pour... Et assez! Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien entendre. Ne reviens plus ici, je te préviens. Écoute, Jimmy, tu as tous les droits d'être en colère contre moi, je sais, c'est ton droit. Mais s'il te plaît, écoute-moi, je t'en prie. Tu veux que je t'écoute? Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu es une pétasse? Je suis au courant. Quoi? Que tu te prostitues? Je suis au courant. Alors, il n'y a rien de surprenant pour moi. Jimmy. Allô? Allô, suis-je en train de parler à Monsieur Jimmy? Oui, c'est Jimmy. Qui est-ce? Ce n'est pas nécessaire. J'ai ta petite amie Doris avec moi. Tu as Doris? Ouais. Si tu veux l'avoir en vie, tu devras payer la somme de 10 millions de naira. 10 millions de naira? Comment suis-je supposé avoir... Mais... Oh, ok, je vais trouver l'argent, attendez. Mais 10 millions? Est-ce que je peux lui parler? Tu dois être vraiment stupide. Connerie. Allô? Hello? Allô? Jolie fille. Chap-chap quand c'est chaud. On gère les choses. Je vous en prie. Je vous en prie, oh mon Dieu. Tais-toi, ferme-la. Je vous en prie, s'il vous plaît. Ferme ta gueule. Oh mon Dieu, non, je vous en prie, s'il vous plaît. Tais-toi, va vite le faire. S'il vous plaît, je vous en prie. Elle doit être juteuse. Je vous en prie, au nom de Dieu. Oui, tu prends de ce côté-là. Calme-toi. N'aie pas peur, on le fait que je suis avec toi. C'est l'argent qu'on veut. Regarde comment tu trembles. Jolie dame. Elle est trop belle. C'est pas jolie dame, c'est jolie prostituée. Ne te fâche pas, je vais corriger. Jolie prostituée, souviens-toi de nous quand tu iras au ciel. Les prostituées vont au ciel? Ah, c'est vrai, les prostituées ne vont pas au ciel. Jolie prostituée, ne nous oublie pas quand tu iras en enfer. Allô? Oh, Monsieur Jimmy. Y a-t-il de nouvelles? Oh, ok. Vous dites que les kidnappeurs vous ont contacté. Et ils ont demandé une rançon de 10 millions. Ok, d'accord, ok. Ok. Allô, Wan Yong? Mais quelle connerie faites-vous là-bas? De quelle connerie parles-tu? Tout est sous contrôle. Contrôle mon œil. Quand je vous ai appelé, je vous ai demandé de la tuer dans sa voiture. Dont la voiture, c'était un ordre spécifique. Et qu'avez-vous fait? Vous l'avez traînée dans cette stupide maison. Quand je vous ai appelé ce matin, je vous ai dit de la tuer immédiatement et vous avez promis de le faire. Ah, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, ça va se faire. Ça va se faire en gerto. Alors pourquoi avez-vous appelé mon homme en lui demandant une rançon de 10 millions de naira? Ton homme? Oui, mon homme.
L'homme que vous avez appelé est mon fiancé et j'étais avec lui quand vous avez appelé. Attends. Mais tu m'as pas dit que c'était ton petit ami, non? Bah tu l'as fermé, il l'a tué. Tu sais quoi? Ne t'en fais pas. J'arrive là-bas à le faire moi-même. Vous n'êtes que des incapables. Oyo, ça veut dire quoi? Tu étais censé la tuer, non d'essayer d'en tirer profit. Lago, calme-toi, ok? Je sais ce que je fais. Non, tu ne sais rien. Donne-moi une arme ou quelque chose que j'en finisse avec. Peux-tu juste te calmer? Trouve-moi un couteau. Calme-toi. Je te dis que je sais ce que je fais. Et pour ce boulot, tu ne nous as même pas payé. Tu ne nous as pas donné un 5 francs. Ce dont on peut bénéficier, c'est dans ce truc qu'on est en train de monter. Calme-toi. On la tuera toujours une fois qu'on aura les sous. On la tuera. Oyo, ne gâche pas les choses. Ne gâche pas les choses. Trouve-moi un couteau, okay, je vais le faire moi-même. Ok, je t'ai entendu, conduis-moi là, vous m'avez caché, okay, je vais trouver un caillou ou n'importe calme-toi. Quoi. Officier, merci beaucoup pour nous avoir aidés. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Il n'y a pas de quoi, Monsieur Jimmy. Et autre chose, je pense que vous devez la mener à l'hôpital pour être sûr qu'elle va vraiment bien médicalement. Merci beaucoup, officier. Nous sommes reconnaissants. Ah, il n'y a pas de quoi. Ah, d'accord. Merci, merci. Ça va? Faut me chercher. Quand tu rentreras, cherche à me voir, ok? Tu cuisines et ça sent tellement bon. Je ne savais pas que Chelsea est capable de tuer quelqu'un. Je sais, je ne suis pas une sainte. Je ne peux être non plus classifiée comme bonne personne. Mais prendre la vie de quelqu'un d'autre, c'est ce qui ne m'avait jamais traversé les pensées. Comme tu peux le constater, c'est pareil chez moi, je n'arrive pas à y croire. Mais c'est arrivé. Je me souviens quand elle disait, je vais te tuer, je te tuerai. Mais je me disais, c'est sa façon de parler parce qu'elle aime bien parler à haute voix. En fait, c'est quelqu'un qui parle trop. Et je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire ça. Amanda, ne penses-tu pas que tu peux abandonner cette vie et trouver autre chose à faire? J'y réfléchis, je pense à ça vraiment. Je peux en parler à Jimmy. Il a des relations, il peut te trouver un boulot. Ok, je le ferai. Je suis d'accord. Merci pour tout. Merci à toi. Merci. C'est ok. Alors, qu'est-ce que tu cuisines? Du riz. C'est presque oui, cuit. Oui, c'est prêt. Ah ah, bien sûr, j'ai faim. D'accord, je vais te servir. Salut. Salut. Elle est là? Oui. J'aimerais la voir. D'accord, il n'y a pas de souci. Entre. Merci.
Merci. Prends place. Veux-tu m'épouser? Dis oui. 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 Oh. Mon Dieu, Jimmy. Bien sûr, je t'aime. Ça te plaît? Oui, j'adore.